Exercice numéro 1, en hommage à Bernard Heitzig, autour des abattoirs de Baumel. Autour des abattoirs de Baumel. Autour des abattoirs de Baumel, il y a une traverse des Muses, une rue de la Pépinière, une rue de l'industrie, une avenue du bonheur. Il y a aussi une rue des Émaillés, une rue du Pavillon, une rue Nanon, une rue d'Eurène d'Eldine, lequel fut derviche, lequel fut coureur, lequel fut fraiseur. Autour, tout autour des abattoirs de Baumel, il y a des bouchers, des charcutiers, des écaillés. Des bouchers, des charcutiers, des écaillés. Des bouchers, des charcutiers, des écaillés. Autour des abattoirs de Baumel, il y a un internat, un glacier, un euroshop, un réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Autour, tout autour, tout autour, tout autour, autour des abattoirs de Baumel, il y a des fonctionnaires régionaux, des bureaux, des chefs de bureau, des agents temporaires, des administrations créées par décret, mais aussi et plus encore à Baumel, autour des abattoirs, des ascenseurs, des paliers, des couloirs, des machines à café. Autour des abattoirs de Baumel, il y a des Namurois, des Jambloutois, des Nivellois, des Carolingiens, des Artésiens, des Tournaisiens, des ours d'Andelle. Autour des abattoirs de Baumel, il y a des Picards, des Flamands, des Énouillés, il y a des Normands, des Bretons, il y a aussi des Anglais, des Wallons, il y a des Togolais, des Cogolais. Autour des abattoirs de Baumel, il y a une gare, des voies ferroviaires, un fleuve, des nœuds routiers, des intersections. Autour des abattoirs de Baumel, il y a la confluence de cours d'eau, la trace noirâtre des eaux, l'arrivée des chaussées. Il y a une E25, une A15, une A16, une E42, une A2 par l'ouest. Autour. Autour des abattoirs de Baumel, il y a des carcasses, des dépouilles, des ossements, un périmètre, une circonférence. Il y a un pourtour, un autour du pourtour, un autour de l'autour, un tour du pourtour, tout autour de nous, autour des détours, des retours, des recours. Tout autour des abattoirs, tout autour des abattoirs de Baumel. Là, dans le beau du mel, dans le mel-tout du beau, du bon, du baume, du Baumel, il y a nous. À l'intérieur des abattoirs de Baumel, au centre des abattoirs, il y a nos abats. Il y a nos crachats, nos tracas, nos fracas. Autour des abattoirs de Baumel, tout autour, à l'intérieur de l'institution, à l'intérieur du centre, à l'intérieur de la culture, il y a un public. Il y a des spectateurs épars, ils sont répertoriés, ils sont sur des bancs disposés. Il y a là, autour de nous,
dans les abattoirs de Baumel. L'exhalaison d'un souffle. Les abattoirs de Baumel sont réhabilités en centre culturel. Interlude numéro 1. Procédure des assemblées délibérantes. Passage numéro 1. Lorsque plusieurs questions se placent concurremment sous un ordre du jour sans priorité préalable, c'est au président qu'il appartient de les soumettre à l'Assemblée dans l'ordre qu'il juge à propos, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement pour une ou plusieurs d'entre elles. Une proposition d'intervenir dans les ordres du jour ou de considérer un ordre du jour particulier avant le rang qui lui est assigné ou le faire revenir à un ordre du jour déjà passé, lorsque se présentent quelques questions qui auraient dû être traitées lorsque cet ordre du jour a été appelé, peut être reçu, mais son adoption exige un vote affirmatif des deux tiers des membres. Exercice numéro 2. Elle dit, il dit. Oui, dit-il. Non, dit-elle. Non, dit-il. Oui, dit-elle. Oui, dit-il. Non, dit-il. Oui, dit-elle. Non, dit-elle. Il le dit. Elle l'a dit. Il l'a dit. Elle le dit. Oui, dit-il. Non, dit-elle. Non, dit-il. Oui, dit-elle. Oui, dit-il. Non, dit-il. Non, dit-elle. Oui, dit-il. Dites. Dites-le. Dites donc qu'on vous l'a dit, qu'on vous le dit. C'est assez dire. Dites. Dites-le, dites donc, qu'on vous le dit, qu'on vous l'a dit. Oui, dis-tu, non, dis-tu, oui, dit-il, oui, dit-elle, non, dit-on, oui, dites-vous, non, dites-vous, oui, dit-on, il l'a dit, il le dit, elle le dit, elle le dit, oui, dit-on, non, dites-vous, non, disent-elles, non, disent-ils, non, dit-on, oui, dis-tu, non, dis-tu, oui, disent-ils, non, disent-elles, oui, dis-tu, dites. Dites-le, c'est assez dire, dites-le donc, qu'on vous le dit, qu'on vous l'a dit, dites, dites-le, dites-le donc, qu'on vous le dit, qu'on vous l'a dit. Oh oui, dis-tu, oh non, dit-on, oh oui, dit-il, oh non, dit-elle, oh oui, 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 oh non, non, dites, non, 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 ils le disent, ils l'ont dit, elles le disent, elles l'ont dit, oh oui, dit-on, oh non, dites-vous, oh oui, dites-vous, oh dit-on, non, dis-tu, oui, disent-ils, non, disent-elles, oui, dit-il, oh, 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 dites, oh, 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 dites donc. Il dit, elle dit, elle dit, elle dit, il dit, il dit, il dit, elle dit, elle dit, elle dit, il dit. Interlude numéro 2. Procédure des assemblées délibérantes. Personne ne s'oppose à la demande de suspension d'un règlement ou d'une règle d'ordre. On peut y accéder de consentement unanime, sans recourir à la formalité d'une proposition. Mais on doit en tenir compte dans la rédaction du procès-verbal de l'Assemblée. Afin de ne pas exposer cette transgression à une contestation ultérieure ou à son invocation à titre de précédent. Une proposition de cette nature n'est pas sujette à débat et ne peut être amendée ni reconsidérée, ni même renouvelée pour le même objet à la séance suivante. Exercice numéro 3, extrait des registres funéraires de la ville de Bastogne. Alain Ronvaux, Gustave Lebrun, Annie Nolomain, Geneviève Sonnet, Maud Pierson, René Bontemps, Clarisse Leveugle,
Oscar Malempré, René Tiss, Jean-Marie Demoulin, Yves Thirion, Hortense Bonjean, Annick Lemoine, Jean-Jacques Manigard, François Niclou, Nicole de Fréchoux, Jacques Désiron, Vincent Bonhiver, Fernand Lobet, Claude Capard, Jean-Philippe Destinet, Pascal Bruyère, Francis Guilaine, Arthur Fels, Angelo Trapani, Claire Delvoye, Marie-Alice Destordeur, Émile de Liège, Fernand Claude, Myriam Jobé, Dominique Petitjean, Jean-Claude Bastin, Alice Dobelstein, Sylvie Defourny, Ferdinand Somouchon, Pierrot Tremblois, Philippe Fontenot, Jean-Marc Thierry, Bernadette Legros, Clément Pâques, Marguerite Clairbois, Yvon Lemaire, ne se présente pas, Jacques. Le oui du 11 2007, elle est reconvoquée par recommandé. L'intéressé ne présente aucune recherche d'emploi. L'évaluation est négative. Un premier contrat est signé. Le 6 du 2 2009, elle est convoquée au deuxième entretien. Elle ne se présente pas. Le 16 du 3 2009, elle est reconvoquée par recommandé. Elle fournit un certificat médical pour son enfant malade. Elle ne se présente pas. Le 16 du 3 2009, elle est reconvoquée par recommandé. Le 24 du 9 2009, elle est reconvoquée par recommandé. Elle est entendue. Des quatre actions entreprendre, l'on constate qu'aucune n'a été respectée. Un deuxième contrat est signé. Madame Delforge est exclue du bénéfice des allocations d'attente pendant 4 mois. Le 23 du 10 2009, elle est reconvoquée pour un troisième entretien. Elle était en charge de la mutuelle. La convocation est annulée par l'office. Le 17 du 6 2010, elle est convoquée pour son troisième entretien. Son entretien est reporté par l'office. Le 1 du 10 2010, elle est convoquée à nouveau pour son troisième entretien. Elle transmet une demande de report au motif que son véhicule est tombé en panne. Elle ne se présente pas. Le 4 du 11 2010, elle est convoquée par recommandé. Elle ne se présente pas. Le 10 du 11 2010, une décision d'exclusion du bénéfice des allocations d'attente est prise. Elle lui est notifiée. Elle est exclue pour une durée indéterminée. Elle est exclue. Elle est convoquée. Elle est convoquée. Elle est reconvoquée. Elle est exclue. Elle s'est présentée. Elle est évaluée. Elle ne se présente pas. Elle est présentée. Elle est évaluée. Elle est jaugée. Elle est répertoriée. Elle est classifiée. Elle est présentée. Elle est présentable. Elle se présente. Elle ne se présente pas. Elle est évaluée. Elle est présentée. Elle est exclue. Elle est exclue. Elle est évaluée. Elle est présentable. Elle est évaluée. Exercice terminé, séance terminée, merci.